Nantes Métropole vous présente une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Bonjour, je m'appelle Alain Fabre, je suis donc responsable RSE à la CNIEG, qui est la caisse de retraite d'EDF et de GDF Suez. À la CNIEG, dans notre politique RSE, nous avons trois orientations, dont une orientation porte sur le handicap, l'insertion des personnes en situation de handicap. Et donc notre idée a été de traiter cette action de façon originale et ludique en associant les salariés à des ateliers sportifs. Nous avons signé un partenariat avec le comité régional handisport et nous avons associé 10 organismes de sécurité sociale. Donc comment ça se passe? Ce sont des salariés qui tournent autour de 5 ateliers sportifs pour leur faire découvrir différentes formes de handicap. La demi-journée se termine par une démonstration de sport handisport par des personnes handicapées elles-mêmes, hein, qui, après avoir fait la démonstration, jouent avec des valides. Et là, je peux vous dire que les valides, ils ont quelques difficultés à renvoyer la balle lorsqu'il s'agit, par exemple, de tennis. Les résultats que nous avons pu obtenir sont de 3 niveaux. Le premier, c'est la satisfaction du personnel et un renforcement du lien social. Le second, c'est un changement du regard des valides vis-à-vis des personnes en situation de handicap, avec une admiration réelle pour eux. Et puis ensuite, le fait que ce dispositif va essaimer, va se reproduire et être reproduit dans d'autres régions de France. Nantes Métropole vous a présenté une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes.